Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus-Christ, au Saint-Esprit, qui a permis qu'aujourd'hui, nous poursuivions notre jeûne de 21 jours. Nous sommes à notre troisième jour spécial OSB, jeûne de 21 jours. Que Dieu vous bénisse. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Réveille ton voisin. Réveille ta femme, ton mari. Réveille les enfants. Notre grand thème, vous le savez, c'est « J'entrerai malgré la loi ». Et aujourd'hui, notre sous-thème, c'est « Défrichez-vous un chant nouveau ». Nous aurons comme référent de base Jérémie 4, 1 à 4 et Marc 4, 1 à 20. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons Jérémie 4, versets 1 à 4. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Nous allons lire la deuxième référence. C'est la parabole de semeur tirée de Marc chapitre 4, versets 1 à 20. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et il s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles et il leur dit dans son enseignement. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna des fruits qui montaient et croissaient. Et elle rapporta 30, 60 et 60 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fit en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogèrent pour les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, voici, ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Les semeurs sèment la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion
des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités qui sont regroupées autour de ces deux passages. Voici la première vérité. Revenons à l'Éternel de tout notre cœur avant que sa colère n'éclate. Oui, ce passage nous montre que nous devons revenir à l'Éternel comme il a demandé à son peuple, comme il a demandé à Israël et à Juda de revenir à lui. Dans ce passage, l'Éternel demande à Israël et à Juda de revenir à lui avant que sa colère n'éclate et que l'armée babylonienne ne vienne entrer dans Jérusalem et amener son peuple en captivité. Vous savez le contexte dans lequel Jérémie a prophétisé, c'était pour avertir le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu disait, nous avons le temple avec nous, nous avons l'Éternel des armées avec nous. Mais Jérémie est un vrai prophète qui était là pour dénoncer les péchés, pour les avertir à revenir à l'Éternel. Je vais parler à quelqu'un, oui, reviens à l'Éternel. Si tu vis dans le péché, si tu vis dans la magouille, si tu vis dans le mensonge, reviens à l'Éternel. Je parle à une femme. Tu es une femme mariée et pourtant tu es en train de tromper ton mari. Je parle à quelqu'un, tu vis en Europe et tu vis dans la compromission parce que tu es en train de chercher les papiers. Non, un chrétien doit chercher les papiers de manière honnête. Reviens à l'Éternel parce que la voie que tu prends n'est pas une bonne voie. Vous savez, le principal péché commis par le peuple d'Israël, c'était l'idolâtrie. Israël et Juda se sont prostituées en adorant des dieux étrangers. Dans le contexte vétérotestamentaire, dans l'Ancien Testament, quand on parlait de la prostitution du peuple de Dieu, il ne s'agit pas de la prostitution en termes sexuels. C'était le fait d'adorer d'autres divinités. La Bible dit « Tu n'auras point d'autre dieu devant ma face ». Aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui pratiquent toute forme d'idolâtrie, qui sont dans le mysticisme, qui sont dans des formes d'idolâtrie. Revenons à l'Éternel, peuple de Dieu. Ce jeûne ne vous sera pas favorable si vous continuez à vivre dans le péché. Le péché de l'idolâtrie irrite le Dieu jaloux, qui ne veut pas que sa gloire soit donnée à quelqu'un d'autre, selon Jérémie 3, 9 à 10. Jérémie compare notre vie à un champ que nous cultivons. Si nous voulons avoir une bonne moisson, il y a des travaux préliminaires que nous devons faire avant de semer les grains. Nous devons d'abord débarrasser notre champ de tout ce qui pourrait empêcher la semence de croître afin de porter du fruit. Un champ nouveau est un champ qui est débarrassé des ronces ou des épines, des pierres et tout autre élément qui pourrait étouffer la semence. C'est pourquoi Jérémie dit, défrichez-vous un champ nouveau. Le champ, c'est ton cœur. Quand ton cœur est rempli de haine, de colère, de jalousie, c'est un cœur qui ne peut pas porter du fruit. La première chose donc que nous devons faire lorsque nous jeûnons, c'est de nous débarrasser des épines qui pourraient empêcher la gloire de Dieu de se manifester dans notre vie. Voici la deuxième vérité. Soyons la bonne terre et non le long du chemin. Non la terre pierreuse ou la terre épineuse. Dans cette parabole, Jésus nous parle de quatre types de terres. Et il donne l'explication. Premier type de terre, c'est le long du chemin. Le long du chemin représente des hommes incrédules. Quand la parole de Dieu est semée, même quand nous partons à l'église, nous avons ce type de personnes. On t'a prêché la parole, on t'a prêché l'évangile. Tu écoutes la parole, mais tu ressembles au long du chemin. Vous savez, le long du chemin est dur. Quand vous jetez une semence le long du chemin, la semence ne peut pas pousser à cause de la dureté du cœur. Et ici, Jésus dit, ceux qui représentent le long du chemin, ce sont des gens qui écoutent la parole, mais aussitôt Satan vient, il enlève la parole. Il y a des gens qui ne retiennent rien, même quand ils entendent une prédication. Les gens qui dorment, peut-être que c'est ton cas. Tu ne retiens rien de la parole de Dieu, tu es incrédule. Quand il y a une parole
qui veut pénétrer dans ton cœur, tu la rejettes parce que tu es incrédule. La deuxième type de terre, c'est la terre pierreuse qui représente le cœur superficiel. Jésus dit, ceux qui représentent la terre pierreuse, ce sont des gens qui, lorsqu'ils écoutent la parole, ils la reçoivent avec joie. Ah, ils disent gloire à Dieu. Oh, ce pasteur prêche bien. Cette servante de Dieu prêche bien. Mais ça se limite là. Ce sont des cœurs superficiels. Les pierres empêchent la parole de pénétrer. Ce sont des chrétiens qui n'ont pas des racines. Lorsqu'il y a une tribulation, lorsqu'ils traversent des moments d'épreuve, ils abandonnent le Seigneur. Ils se comportent comme des païens. Ils disent, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas à manger. C'est difficile. J'ai des enfants à nourrir. J'ai des problèmes. Je n'ai pas de solution. Mon salaire ne suffit pas. Je dois payer la maison. J'ai des arriérés, des 6 mois de loyer. Et puis, ils se comportent comme des païens. Ce sont des jeunes filles qui cèdent leur corps. Lorsque le directeur des ressources humaines lui demande de sortir avec pour qu'elle soit embauchée, elles le font. Ou encore des couples sans enfants à qui on demande d'aller voir un marabout ou d'adhérer dans un mouvement mystique. Un chrétien ne peut pas faire ces pratiques-là. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Troisième type de terre, ce sont des terres épineuses. Ce sont des chrétiens au cœur partagé. Ils sont partagés entre Jésus-Christ et le monde. Écoutez ce que Jésus dit de cette terre. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous entendez, il y a 3 choses ici qui les caractérisent. Il y a d'abord les soucis du siècle, les soucis de se marier, les soucis de voyager, les soucis d'avoir des maisons, les soucis d'être célèbre et l'invasion, la séduction des richesses. Il y a beaucoup de gens qui veulent devenir riches, multimilliardaires, mais par des moyens malhonnêtes. Et l'invasion des autres convoitises, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Ce sont ces choses-là qui étouffent la parole. Et les épines, ce sont justement ces soucis de ces siècles qui étouffent la parole, qui l'empêchent de porter des fruits. Et la quatrième type de terre, c'est la bonne terre. Ça représente les chrétiens obéissants, les chrétiens qui confessent leurs péchés, les chrétiens qui marchent dans la sanctification. Et ce sont ces gens-là qui reçoivent la parole de Dieu dans de bonnes dispositions et ils portent des fruits de l'esprit, ils portent des fruits de la sanctification, ils portent des fruits en gagnant les âmes, en servant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons la bonne terre et non les 3 premières terres. Chantons ces cantiques et glorifions le Seigneur. Majesté, à lui la majesté. Sauveur
craignons, Seigneur. Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre troisième jour de jeûne spécial OSB, jeûne de 21 jours. Que Dieu vous bénisse. Même si vous n'avez pas commencé le jeûne avec nous, si vous nous prenez en marche, ce n'est pas grave. Ne dites pas que non, comme je n'étais pas au premier jour, j'ai raté. Vous n'avez rien raté. Oui, vous pouvez nous prendre en marche et poursuivre ce jeûne. Nous continuons ce jeûne jusqu'au vendredi 24 novembre 2023. Ici à Abidjan, nous allons faire une grande veillée et nous encourageons ceux qui nous suivent en Europe, ceux qui nous suivent aux États-Unis, au Canada. Nous serons en ligne. Vous pouvez aussi clôturer le jeûne avec nous. Si vous n'avez pas encore les livrets,
nous pouvons vous envoyer les livrets électroniques. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et particulièrement à Abidjan, nous voulons vous dire qu'il y a encore quelques livrets. Vous pouvez vous en procurer au siège de la radio Fréquence Vie. Demandez le vigile qui est à l'entrée. Il va vous donner votre livret moyennant 1000 francs. Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Défrichez-vous un champ nouveau ». Nous sommes au troisième jour. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Demandons à Dieu de nous révéler toutes les pierres ou toutes les épines qui empêchent notre croissance spirituelle et notre bénédiction. Et prions pour que toutes ces épines-là soient déracinées dans le nom de Jésus, afin que nous soyons des bonnes terres capables de porter du fruit. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier que chacun prenne l'engagement de renoncer aux convoitises de ce monde, à l'invasion des richesses, et prier Dieu pour qu'il nous donne la force de rompre avec toutes les pratiques du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Il faut que nous soyons différents des gens de ce monde. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier Dieu pour qu'il nous donne la force de tenir ferme en face des différentes épreuves que nous traversons. Oui, la vie chrétienne n'est pas facile. Il y a les épreuves. Jésus lui-même a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prions pour que nous puissions tenir ferme devant les tribulations et que nous soyons toujours enracinés dans la parole de Dieu. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prier pour vous, chers frères, chers amis. Éternel mon Dieu, je voudrais te recommander mes frères et sœurs, afin que tu soutiennes leur foi. Je prie particulièrement
pour tous ceux qui traversent des moments d'épreuve, des moments difficiles, des moments où ils ont la difficulté de payer leur loyer, de nouer les débuts du mois. Au nom de Jésus, je prie pour qu'une provision surnaturelle vienne de la part de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu s'appelle Jéhovah Jiré. Dans le puissant nom de Jésus, je prie, Seigneur, pour ces veuves, ces orphelins qui n'ont pas de personne pour leur venir en aide. Tu es le Dieu des orphelins, le Père des orphelins, le défenseur de veuves. Je prie pour que pendant ce moment de jeûne, Seigneur, tu te manifestes à eux, tu pourvois à leurs besoins dans le nom de Jésus-Christ. Je te recommande, Seigneur notre Dieu, ces dames qui sont malades, oui, qui vont de médecin en médecin, qui paient des factures énormes, oh Dieu, pour leur santé. Je prie pour que tu les guérisses de manière surnaturelle, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui guérit. Tu t'appelles Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toutes les maladies. Béni soit ton nom, Seigneur. Je te prie pour les frères et sœurs qui sont persécutés à cause de toi, qui sont harcelés sur le plan sexuel. Seigneur, ils travaillent dans des milieux où les gens sont dans le mysticisme, sont dans des pratiques sexuelles prohibées par ta parole. Mais Seigneur, ils sont menacés, Seigneur notre Dieu, de licenciement. Seigneur, ils sont bloqués. Leur profit de carrière est bloqué parce qu'ils veulent t'obéir. Seigneur, interviens, soutiens-les comme tu as soutenu Shadrach, Meshach, Abednego, afin qu'ils restent fermes et élève-les. Seigneur, renverse les plans de leurs ennemis afin qu'ils sachent qu'ils prient un Dieu qui est vivant. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu grand, le Dieu glorieux, le Dieu redoutable, le Dieu qui ne change pas. À toi l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous donner des références bibliques complémentaires qui peuvent vous aider dans votre temps de jeûne. Il y a Exode 20, versets 1 à 17, Ézéchiel 18, versets 20 à 32 et Romains 2, 17 à 29. Je reprends. Exode 20, 1 à 17, Ézéchiel 18, 20 à 32 et Romains 2, 17 à 29. C'était spécial OSB, troisième jour de jeûne. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance. Son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration.